Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo yanzambe kata mwana pe mulimo mosantu. Bon et tendre Père céleste. Tata malamu kolo ali kolo. Nous nous inclinons devant la grandeur de ta puissance pour te dire merci. Nous te remercions pour ton aide et ton assistance. Nous te remercions, bon Père Céleste, de ce que tu as fait pour l'un ou l'autre de tes enfants. Tu nous as épargné à beaucoup de dangers. Et tu as fait de nous tes enfants dans ta maison. Nous te remercions immensément, mon Père Céleste, de ce que tu feras encore pour nous pour les jours à venir. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Il a voulu se sacrifier pour nous, pour nos torts. Et qui est souvent notre défenseur. Et nous remercions le Saint-Esprit qui a toujours été notre consolateur. Et qui nous a franchi d'une vérité à l'autre. Et qui nous assiste quand nous sommes parfois dans les moments de tourment. Père d'amour, Père miséricordieux. Tu es tout pour nous. Tu n'es pas seulement un Dieu pour nous, mais tu es notre Père. Accepte la prière de tes enfants, bon Père d'amour. Que ça monte vers ton trône. Accepte, bon Père, de pouvoir aux besoins de tes enfants. Pourvoir, bon Père Céleste, à tous ceux dont ils ont besoin. Nous prions pour ton œuvre. Et aussi nous prions pour les grands investissements qui sont dans l'au-delà. Que ces âmes de l'au-delà soient bénies, bon Père d'amour. Nous prions aussi pour ceux qui ont des soucis de santé. Et aussi nous prions pour ceux qui pleurent en silence.
Mon Père d'amour, accepte de venir notre jeunesse, nos choristes et tous les instructeurs de ta maison. Nous avons hâte de nous retrouver ensemble à ta maison. Accepte de bénir ce pays, mon Père, et les autorités. Faites que la paix règne partout. Et que ton œuvre reprenne comme d'habitude. Accepte de nous unir en étroite communion d'esprit avec notre apôtre d'Israël ainsi que notre apôtre patriarche. Ainsi que tous les apôtres et tous les ministres de Dieu. Toi qui sens la profondeur de nos âmes, tu sais qu'est-ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Porte-nous sur tes ailes pour que personne ne tombe. Fais plus ce mieux que nous pouvons exprimer en parole. Nous ainsi nous te le demandons en toute humilité au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, frères et sœurs en Christ. Pour ce jour, nous avons le texte tiré des Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 8, le verset 18 à 19. Il est écrit : lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant : accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Awa Simoni, amoniete bazui molimo mosantu tangu Pierre na Yohane batiele kibango maboko, ala kibantoma mbongo alobi. Popesa ngai pengu ya oyo kosoki na tieli moto maboko azwa molimo mosantu. Jusque là, prenez place. Kino wana tozo sika kupanda. La parole est prête en cantique. Bayembi papesa kusete na nzoto. Molimo ya bongengi ngisa mosu kenanga esaki nyala motema nanga beboni saya. Sœurs en Christ, chers invités, notre Père Céleste a permis que nous nous retrouvions encore ici dans sa maison. Certes que on a tendance à croire que la maison est vide. Il n'y a pas de gens. Ça peut être vrai. Mais je peux vous rassurer que la salle n'est pas vide. Cette salle est pleine d'amour. Elle est pleine de joie et elle est pleine de la grâce de notre Père Céleste. Dieu veut se tourner vers nous pour nous parler. Ceci me pousse à penser à ce qu'avait dit notre apôtre patriarche il y a de cela deux mois passés. Lorsqu'il disait que
L'Éternel ne s'adresse pas à un groupe de croyants ni à son peuple. Nkolo alobelaka na mwa lingomba ya batote to na ekolo na yete. Mais il s'adresse à chacun d'entre nous. Kasi alobelaka moko na moko kati na biso. Il s'adresse à chaque enfant dans sa situation personnelle. Alobelaka mwana nzambe nyoso na makambo yezo komela ye. Il s'adresse même à celui qui s'endort dans sa vie de foi. Alobelaka ezala mpona baye bazali kolala ne bomo ina bango ya bondini. Certes, on peut croire et avoir l'impression que c'est toujours la même chose. Même histoire, il n'y a rien de nouveau. Même histoire, il n'y a rien de nouveau. Tout passe, tout ne change. Même personne, même musique. Et penser de la sorte, bien aimé dans le Seigneur, c'est plonger lentement dans le sommeil. Ne nous endormons pas. Que la parole de notre Père Céleste nous réveille davantage. Qu'aucun autre esprit ne vienne nous déranger. Qu'aucune pensée ne flaire notre esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire le texte. Il est question de Simon et Didon du Saint-Esprit. Pour la petite histoire, Simon s'est donné pour un personnage important en Samarie. Simon a mis pesaki moto moko penza ya lokumu mingi to atina mingi na na ndenge na ye. À cause de la magie qu'il exerçait. Likolo ya mwa ba grigi ya bandai ko salela. Il attirait beaucoup de foule. Abandaki ko sangisa batu ebele penza. Et il était apparemment vénéré par le peuple. Azala ki lokola mutu moko atubaki batu tonga mpote balandaka ye. Mais lorsque Philippe a commencé à prêcher. À ce temps où Philippe a bandi côté, de ce qui concerne le royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les partisans de Simon, tant les hommes que les femmes, ont cru et se sont fait baptiser. Et plus tard, Simon a aussi cru. Il s'est fait aussi baptiser. Na moi si ma mikolo si moni pa ye kondima, pe azu pe baptisme. Et il ne quittait plus Philippe. Abanda ki susu kolo, tika Philippe atango nga mukete. Et quand les apôtres qui étaient en Jérusalem, ayant appris que l'assemblée avait reçu la parole de Dieu, tango banto mo batalaki na Samarie ba okete, tango ba apôtres mo batalaki na Jérusalem ba okete Samarie et ambaki li loba ya Nzambe. Ils dépêchèrent Pierre et Jean. Batindi Petelo na Yohan. Et une fois arrivé en Samarie, ils ont procédé à l'imposition de mains pour que ceux qui avaient cru et ceux qui avaient été baptisés reçussent le Saint-Esprit. Et Simon, ayant vu d'où le texte de ce jour, tango Simoni amoni maye mateko comme la batoyo batela ki bango maboko. Vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, lokola molimo mosantu zalaki kopesama na botieli maboko ya bantoma, il s'approcha pour leur offrir de l'argent. Apusani mpona kopesa bango misolo, en disant, na bolobiete, accordez-moi aussi ce pouvoir, bopesa ngai pe nguya oyo, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Nantina tena no nyoso na kotiela maboko azo pe molimo mosantu. Et sans ménagement, Pierre lui a dit. Na siman toma petelo atelmi mpona koyebisa ye. Là nous lisons au verset 20. Wana tozotanga na tela ya tukumi bale. Que ton âme périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alobina ye, kasi Pierre azongiseli ye. Kende kokufa yo na mbongo na yo.
okanisiete okokiko somba likabo ya nzambe na mbongo. Simon n'avait pas compris que les dons de Dieu ne s'acquiraient pas avec de l'argent. Simon ya sosola kitete likabo ya nzambe esomba makana. Simon n'avait pas compris que ce sacrement était les dons de Dieu. Simon a sosola kitete sacramento ezala kilikabo utaki na nzambe. Ça n'appartenait pas à ceux qui le donnent ni à ceux qui le reçoivent. Et zalaki na makasi ya baye bazale ko pesa yango te to ba oyo baba neki ko zwa yango te. C'est le seul Dieu qui en est le maître. Ces sacrements fortifient notre foi en vue de la communion éternelle avec Dieu. Et lorsque Pierre a fait de ses reproches à Simon, il lui a dit : Répands-toi. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Frères et sœurs, les pensées de nos cœurs, les cœurs, toujours les cœurs. Les cœurs cherchent toujours à nous faire croire et entendre ce que nous cherchons. Même si souvent cela n'est pas la vérité, toujours chercher à nous convaincre. Simon le magicien, il avait cru, il avait accepté d'être baptisé. Et il ne voulait plus quitter Philippe. Quelle a été sa motivation? Donc il cherchait à avoir ses pouvoirs pour dominer encore sur les autres. Il voulait augmenter sa notoriété. Frères et sœurs, lorsqu'il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi. On peut se poser la question. A-t-il réellement cru en Christ comme son sauveur personnel? A-t-il cru en Jésus-Christ pour abandonner ses mauvaises pratiques, la magie? Ou a-t-il juste cru au miracle de l'enfant de Dieu? Cette question peut nous être retournée. Nous avions cru. Nous nous sommes fait baptisés. Nous avons accepté de recevoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'avions-nous réellement cru en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? En nous dépouillant du vieil homme, du vieil Adam, où avions-nous juste cru aux actes ayant trait au salut? Lorsque Simon dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, est-ce l'esprit de Simon le magicien? Ezalaki makanisi ya Simoni oya magicien ou c'est l'esprit du faux converti? To ezalaki makanisi ya mutoyo andimaki ya solote. C'est là toute la question. Ndemo tuna yango wana. Nous aussi, avions-nous cru réellement à Jésus-Christ comme notre sauveur? Bisopeto ndimaki solo Jésus-Christ lokola mobiki sina biso. Que faisons-nous de ces dons que nous avons reçus? Est-ce que nous sommes convaincus réellement que ces dons fortifie notre foi pour que nous vivions éternellement avec notre Père Céleste? Sommes-nous aussi des faux convertis, n'ayant pas compris l'essentiel de ce que nous avons, en quoi nous avons cru? Parce que les faux convertis, frères et sœurs, ce sont des loups ravisseurs ayant des habits de brebis.
Bato yo bandimi ya solote, batali lokola banyamoyo ya ya kanda penza bazoluka kobotola oyoyos. Les faux convertis, ce sont des ministres chargés par Satan pour convertir les enfants de Dieu. Bato yo bandimaka ya solote, bazali lokola bato bazotelemela bakonzia Satana, mpona ko longola bana ya Nzambe babosa ne loko bango bandimaka. Les faux convertis, ce sont des frères infiltrés par le diable pour semer des troubles dans des foyers, dans des communautés. Bato bandimaki bandimi ya solote, bazali bato Satana azali kokotisa na kati ya bakomi masanga na biso mpona kokotisa kilikili bibaye wapi biso tozo kosangana. Les faux convertis sont aussi ceux qui sèment les doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Bato bandimaka ya solote, bazali bato bazo kota na kati ya mitema bato mpona kovangisa tembe na kati ya mitema ya bananza. Les faux convertis, ce sont des faux prophètes chargés pour séduire les enfants de Dieu. Bato bandimaka solote, bazali ba prophète ya lukuta o bazali wana kaka mpona koluka kokoyisa bana ya Nzambe. Au travers de démonstrations spectaculaires, na lolenge ya kosala bikamu ya ndenge na ndenge, des faux miracles, bikamu ya lukuta, de la magie comme le faisait Simon le magicien, bakili bagrigri lokola Simon ya magicien bandai kosa, pour séduire et attirer beaucoup de foule. Frères et sœurs, résistons contre tous ces esprits de séduction. Que personne ne vienne nous séduire. Voilà pourquoi il est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Et de demeurer dans la présence du Seigneur. En lui demandant sans cesse l'esprit de discernement. L'esprit de Dieu que nous avons reçu par l'imposition de main des apôtres, cet esprit travaille en nous. N'endurcissons pas nos cœurs en étant rebelles à la parole de Dieu. Et accepter de vivre de manière confortable dans les illusions. Chercher à embrasser des fausses doctrines. Sous prétexte que, oui, peu à peu, l'Éternel nous en délivrera. Non. Fausse assurance, bien-aimé. La parole de Dieu est vivante. Elle est une source de la vie éternelle. Il faut y croire et s'y conformer pour être sauvé. La parole de Dieu englobe l'ensemble de la puissance de Dieu. Elle accorde le péché et prépare en vue de la résurrection. N'attendons pas encore à Dieu de faire des grands miracles pour nous. Il en a déjà fait de plus grands en envoyant son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel autre grand miracle voudrions-nous qu'il fasse encore pour nous? Il en a déjà fait de plus grands, bien-aimés dans le Seigneur. Agissons tout simplement conformément à sa parole. Agissons tout simplement en étant conforme à sa volonté. Bien, frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de lui. Nous avons accepté d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons accepté de passer par ce sacrement. Cet esprit doit nous raviver encore nos cœurs. Quand nous l'appelons notre Père, c'est avec conviction. Réfléchissez un peu, frères et sœurs. Vous êtes propriétaire d'une maison. Vous allez
Vous avez des locataires dans la parcelle. Et quand vous y entrez chez vous, tout le monde vous appelle papa. Même dans les quartiers, on vous salue. Bonjour papa. Bienvenue papa. Et vos enfants à vous appellent aussi papa. Quant à la forme, c'est bien. Est-ce que le fond est le même? Est-ce que Nabozindo pense à Ndenge Moko? Je ne pense pas. Vos enfants vous appellent papa parce qu'ils sont nés de vous. Les autres peuvent vous appeler papa, c'est pas au respect. Et beaucoup de gens appellent Dieu leur père, c'est pas au respect. Mais nous l'appelons père par conviction. Il est notre père. Nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de nouveau. Soyez fiers, bien-aimés. Nous devons aussi faire comme ce qu'avait fait Philippe en Samarie. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile de Christ. Et non pas les garder pour nous-mêmes. Soit dit en passant, l'évangile de Christ n'est pas une vieille histoire. C'est une réalité actuelle et qui est toujours valable. Et c'est ainsi que cet évangile est encore prêché aujourd'hui. Et c'est précisément aussi la mission de l'apostolat aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Mettons Christ au centre de notre vie. Quelque part j'ai lu. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Christ n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour notre bien-être éternel. Il a vécu pour nous autres. Il a vécu pour le salut de l'humanité. Que cela plaise ou non aux hommes, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs. Au début, cette maison est pleine d'amour. Des joies et de la grâce de notre Père Céleste. Et Dieu a fait grâce que nous soyons ensemble avec notre apôtre Eugène Kalala. Que nous invitons à nous livrer les pensées de son cœur. S'il vous plaît, la chorale peut nous chanter un cantique.
Bien chers frères et sœurs en Christ, nous remercions l'Éternel, notre Dieu, de par l'exhortation reçue de cet hôtel de grâce à travers notre apôtre. Et nous avons senti que c'est l'Esprit Saint qui nous a parlé. Et lorsque l'Esprit Saint parle, nous sommes appelés à magasiner et à mettre en pratique. Je me souviens fort bien que lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ça avait produit pas mal de répercussions. Ces apôtres jadis étaient enfermés à la maison parce qu'ils avaient peur. Et d'ailleurs, le Seigneur leur avait demandé de rester en attente de l'arrivée de l'Esprit Saint. Là, nous pouvons comprendre qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'Esprit Saint. Et qui avait peur lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint? Écoutez ce qu'ils avaient répondu aux gens de cette, aux autorités de l'époque. Devrions-nous avoir peur de vous ou nous devons obéir à Dieu? Bien-aimés en Christ, si nous sommes dotés de cet Esprit Saint, nous posons nous la question. Ce que nous faisons comme acte, c'est une obéissance envers notre Dieu ou nous avons peur des hommes? Cependant, les répercussions de l'Esprit Saint doivent nous pousser à obéir à la parole de Dieu. Ça doit prouver notre fidélité à notre grand Dieu. Je suis en train de penser à la rencontre de Paul et Jésus sur le chemin de Damas. La question qui a été posée à Paul était celle-ci. Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé à Christ, aucune fois Saoul n'avait persécuté le Seigneur. Mais c'est reconnu que chaque fois qu'il faisait le mal aux chrétiens, il le faisait à Christ. Il a fallu que l'Esprit se manifeste pour qu'il comprenne que ce qu'il faisait, ce n'était pas bon. Au finish, celui qui était appelé Saoul était appelé Paul. En quoi il pouvait devenir Paul? L'Esprit Saint qui était en lui devait produire les fruits. Et les fruits que doit produire l'Esprit Saint nous est cité dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 à 23. Parmi ces fruits, on parle de l'amour. Voilà cet amour qui a pu naître en Paul. En lieu place de tuer, il allait maintenant pour annoncer l'évangile de Christ. Posons-nous la question, bien-aimé en Christ. Si l'Esprit Saint, le jour des saints scellés, vit en nous, est-ce que ça produit les fruits de l'amour envers nos contemporains? Est-ce que ça produit la joie envers nos contemporains? C'est pour tout dire tout simplement que les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester en nous si l'Esprit vit en nous.
Créons de l'espace à l'Esprit Saint pour que les fruits du Saint-Esprit se manifestent. J'ai toujours dit que c'est le passage que l'apôtre Patriarche Frère avait beaucoup plus cité dans beaucoup de ses services divins. Et nous disait toujours que l'Esprit des Saints vit en nous de part les jours où nous avons reçu le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 au verset 5. Permettez à l'Esprit Saint de pouvoir agir en nous bien-aimés en Christ. Et dans le livre de Romains, il est dit, ceux qui sont vêtus de l'Esprit Saint sont appelés enfants de Dieu. Devrions-nous crier pour que l'Esprit Saint puisse descendre? Ce matin, j'ai lu dans le livre d'Apocalypse que le bon Dieu avait envoyé quatre anges dans les coins de la terre. Et là, c'était pour faire le mal à la terre. La vie ne devait plus exister. Mais un quatrième ange est venu. Pour crier que ne faites pas du mal à la terre. Parce qu'on va devoir poser les sceaux de la filiation divine pour à ceux qui vont croire. Là est la mission que les apôtres sont en train de faire aujourd'hui. De marquer le sceau de la filiation divine au front de ceux qui ont cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ. De sorte qu'au jour du Seigneur, à travers le sceau qui sera marqué sur eux et qui soit reconnu comme enfant de Dieu. Cela est donné gratuitement, mais Simon Pierre voudrait marchander pour en bénéficier ces dons. Mais là, si l'amour vit en nous, approchons nos contemporains pour leur dire, venez recevoir ces dons, ces données gratuitement. Et les dons du Saint-Esprit cités dans Galates vont devoir se développer davantage. Que l'Éternel notre Dieu puisse graver cette parole dans nos cœurs aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, en Christ, nous nous réjouissons énormément de l'intervention de notre apôtre. Nous sommes détenteurs du Saint-Esprit. L'esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas, n'est pas un esprit de timidité. Nous devons nous mettre debout pour propager la bonne nouvelle de notre Jésus-Christ. Certes que dans les temps, les apôtres étaient persécutés. Ils avaient fui de ville en ville. Bien qu'ils allaient de ville en ville, mais ils prêchaient la bonne nouvelle. Nous aussi, on peut dire que dans certaines circonstances, nous sommes aussi persécutés par les conditions de la vie. Et cela nous empêcherait-il d'ouvrir notre bouche pour partager la bonne nouvelle avec nos contemporains? L'Esprit de Dieu doit nous raviver davantage, bien-aimés chers frères et sœurs. Nous devons en être conscients
Et c'est là chaque fois que Dieu nous en donne l'occasion. Qu'il bénisse cet instant. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, les mois est venu de nous repentir. Nous devons regretter nos torts. Et ce faisant, nous demandons à la chorale de nous chanter un cantique de repentance. Nayango. Seigneur nous a enseigné. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance, et la gloire. Amen. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce pardon royal. Nous te remercions pour avoir épongé nos péchés. Et tu les as noyés dans l'océan de l'oubli. Nous t'en sommes reconnaissants, Père d'amour. Tu n'as posé aucune question de pourquoi avions-nous péché. Et qui nous avons incité à le faire. Tu nous as démontré ton amour paternel. Immense merci, Père d'amour. Maintenant, accepte nos prières. Exauce-les qui s'amontent vers ton trône de grâce. Accorde la paix là où il le faut, bien-aimé, bien Père Céleste. Accorde la paix dans des familles en conflit et des familles divisées. Accorde ta paix dans nos communautés. Accorde l'esprit de discernement à nos jeunes. Qu'ils soient toujours une source de joie auprès de leur entourage. Bénis le pays.
et les autorités, mon Père Céleste. Bénis le corps médical. Ils font un travail remarquable, mon Père Céleste, dans ce pays. Ils l'ont toujours fait, soit avec eux et leur famille aussi. Que des gens soient tout le temps à nos côtés, mon Père Céleste, pour nous garder. Et nous prions pour le service de Pentecôte. Que cet esprit ravive encore nos cœurs. Je veux que tout réussisse, mon Père. Pour la gloire de ton Saint nom. Fais plus et mieux qu'il ne pouvait exprimer en ces paroles. Tout ceci en toute humilité au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien frères et sœurs, les pensées de Dieu sont insondables. Et son plan insondable. Son plan est parfois difficile à comprendre. Savons qu'il est le maître des temps et des circonstances. En ce qui concerne la Sainte-Sainte, il pourvoira. Quant au reste, je vous invite à nous unir dans la prière finale. Père d'amour, Père miséricordieux, nous ne cesserons jamais de t'adresser nos mots de remerciement. Du fond du cœur, nous te louons et te glorifions. Nous glorifions de tous tes bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Tu as permis que nous passions un moment agréable dans ta maison. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour les réconforts. Nous te remercions pour l'exhortation et ta bénédiction. Accorde-nous au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Accorde ta bénédiction à tes enfants, même celles que tu gardes en réserve. Bénis nos cœurs. Pambola église nabiso. Bénis les offrandes de tes enfants. Pambola makaboya bana bayo. C'est le fruit des sacrifices, mon Père Céleste. Ezali komika bana bangonza bolu. Pour l'amour qu'ils ont pour toi et pour ton œuvre. Mpona bolingo bazana ngo epai na yo mpe pona musala na yo. Pour la protection de tes anges. Abela biso liseli si abanzelu na yo. Fais plus et mieux au nom de Jésus. Salela biso mingi koleka na nkombo ya Yesu. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga yankolo Yesu, bolingo ya Nzambe, mpeko kanga mone mulimo mo santo ezala na bino banso. Amen. Sœur en Christ, c'était une immense joie d'être en communion avec vous. Que Dieu vous bénisse richement et prenez soin de vous et à très bientôt. Nous demandons à la chorale de nous balancer les cantiques de clôture.
Go! Oh.